Salut tout le monde, c'est TitoGame et nous voici aujourd'hui sur la troisième vidéo tuto playthrough walkthrough, je sais pas comment on dit ça, sur Ark The Island. Voilà, on va continuer. Donc je tourne la vidéo juste après la deuxième, hein. C'est bien pour ça qu'il n'y a pas eu de cut pour du coup, oui, alors maintenant nous allons pouvoir nous attaquer à faire le reste. Car nous allons pouvoir faire dans cet épisode là la chasse au métal, ainsi aussi que de faire des meilleurs taming via les flèches tranquillisantes. Les flèches tranquillisantes, ça endort très très facilement, mais vraiment très facilement, hein, c'est vous dire la vitesse où ça va. Car, au lieu du coup d'utiliser un truc pour attaquer à côté ou autre, là au moins avec un arc avec des flèches tranquillisantes, ça va être vraiment vraiment mieux. Voilà. C'est pour ça que d'ailleurs on va changer de flèche, on va mettre ça à la place. Car oui, nous allons déjà partir à faire de meilleurs timings, je pense. Et j'ai pris les pots de narco qu'il y avait dans le mortier. Je ne sais même plus. Oui. Oui, par contre j'ai oublié de... oublié de le remettre dans le frigo. Après bon, c'est pas grave de laisser les narcoberries dans le mortier. De toute façon, c'est plus simple d'obtenir que la viande pourrie. Donc c'est pas très grave. Bien. Tu sais d'ailleurs, maintenant que cela est fait, j'ai encore ma viande... Non, elle a pourri. D'accord. Parce que je pensais qu'il n'y a plus de viande supérieure. Dommage. Ça aurait été bien d'en avoir encore. Malheureusement, il va déjà faire nuit. Bon, ce n'est pas très grave. Car j'ai quand même envie de voir de quel niveau est cet iguanodon. Ouf. Il a l'air un peu trop costaud celui-ci. Celui-ci. Ouais. Ça va pas être pour maintenant, je pense. Ah oui, le tapetjara. Bon, le problème, comme je l'ai dit avant, c'est qu'on va pas pouvoir avoir la selle. Donc ça ne servirait pas à grand chose de l'apprivoiser dès maintenant. Oui, pas très utile en soi. Puis de toute façon il nous a vu, donc ce n'est pas très grave. Si je crois me rappeler, la dernière fois il y avait un Carnot. Si je me rappelle bien, bien sûr. Ah, vraiment décompi maintenant. Alors que je n'ai plus de viande supérieure. Sérieusement. C'est vraiment pas de chance. Pile quand j'en ai plus, il faut qu'il y en ait. Est-ce qu'ils s'appellent avoir la poisse? Oh mon dieu, non pas eux. Punaise. Ah. Bonjour les troodons. Oula. Ne pas s'arrêter, ne pas s'arrêter, ne pas s'arrêter. Je vais passer par là. Je ne sais même plus si je vous les ai montrés cet ennemi là, mais je ne pense pas. Du coup voici les troodons. Troodons qui sont des créatures qui sont très
très agressif quand il fait nuit. Bonjour Piranha. Et en rouge Piranha. Mais oui. Du coup les troodons, vraiment évitez-les à tout prix. Surtout si vous êtes à pied. Faut surtout pas les approcher. Surtout pas parce qu'ils sont agressifs. Et vraiment, vraiment agressifs. Ils vous attaqueront dès qu'ils, même de très loin, ils vous voient. Donc vraiment, vous n'avez aucune chance contre eux. Le seul moyen d'y arriver, c'est de fuir. Et tout. Bah, si vous n'avez pas de créature assez forte, en tout cas, par hasard ne suffira pas. Donc c'est bien pour ça qu'il faut fuir. Et heureusement qu'on peut les effrayer également. Heureusement. Parce que mon dieu que c'est pas évident. Bah, j'imagine que pour tes créatures, ça va pas être possible vers là-bas. Hein. Ouais. Je pense que le mieux, ce serait d'aller vraiment chercher du métal ou autre. Le problème, c'est que j'ai pas pris la forge. C'est pas grave. Je vais donc chasser ce bestiau. Hop. Voilà. D'accord. C'est vrai que c'est pas être que ça va être avec ça que je vais gagner beaucoup de niveaux également. Mais bon, je n'ai pas trop le choix. J'ai pas grand chose à chasser pour l'instant de ce côté-là. Si je veux up facilement. J'ai une mouette à côté, j'ai peur. Hop. Vous aussi. Sont décidés tous les deux niveau 12 les faisants. Ouais, c'est pas très très ouf comme niveau. Au moins ça me fait de la peau dans tous les cas, car j'en aurais bien besoin si je veux faire la forge d'atelier. Car ouais, ça va coûter cher. De dodo ici, hein, c'est incroyable. C'est une tortue ça? Oui, c'est une tortue. J'ai vraiment cru que c'était un Baronix pendant une seconde. J'ai eu peur. Car vraiment, je déteste les Baronix. Beaucoup de tortues, ce serait pas une bonne idée de les attaquer. Ah bah, a l'air compliqué de trouver un truc à chasser là par contre. Ouais. Surtout que niveau 81. Vraiment, tout ce que j'ai c'est des dodos. Les dodos c'est pas vraiment ouf. Hein. D'ailleurs, j'ai vraiment plus de fibres. Ah si, j'en ai. Ah mais c'est le silex qui me manquait en fait. Voilà. Là je peux en faire des flèches normales. Parce que je vais bien en avoir besoin. Ouais, je pense que je vais avoir assez maintenant. Pour éliminer tous ces dodos. Un par un. Ouais, non, surtout pas la mouette. Hein. On va éviter. Ouais, on va éviter la mouette. Hein. Ouh, le headshot! Ça doit faire mal. D'ailleurs, ça me fait rire quand même une fois parce que je regardais un meme de Ark et ça disait sur image la cause des extinctions des dodos. Réponse, les joueurs de Ark. C'est pas faux. Parce que c'est vrai qu'on aime bien chasser les dodos dans le jeu. Je veux dire, c'est quand même la créature facile à abattre du jeu à apprivoiser. Ouais. Donc c'est pas faux non plus, mais bon.
Je veux dire, dans la réalité, c'est pas vraiment comme ça que c'est passé. Parce que ça m'étonnerait que ce soit comme ça. Surtout qu'il n'y avait même pas d'humain. Je crois. Je ne sais pas. Suis pas très doué en histoire là-dessus. Ah, bon, du coup. Là, je vais pouvoir apprendre la forge. Ah, décidément, c'est seulement un truc que je peux prendre. Hein. Mon dieu. Tiens d'ailleurs, pour faire la forge, qu'est-ce qu'il me faut? On va mettre ça là. Il nous faut du bois, il nous faut... Ah mon dieu, il nous faut tellement de trucs. Le bois, on a. Il nous faut la pierre. Ah oui. Oh mon dieu. J'avais oublié à quel point il en fallait de la pierre. Quelle horreur. Ouais. Bon bah go la pierre hein. 125. Ici. Heureusement que j'ai augmenté mon poids. Heureusement que j'ai pris des trucs pour réparer. C'est bon, on a assez. Parfait. Mon dieu que ça pèse une tonne. Et voilà. Nous avons une forge. Bah, le problème, c'est que j'ai toujours pas assez de niveau pour l'atelier. Il va falloir remonter de niveau une nouvelle fois. Eh oui. Ce n'est pas évident non plus. Bien, nous allons le placer ici maintenant. Ah oui, et chose à savoir, il nous faut deux métal pour un lingot de métal. Ce qui fait que bah on n'a pas beaucoup quoi. Mais ça suffira amplement pour le début. On va déjà mettre ça à cuire. Bien. Maintenant que ça c'est fait, il va falloir repartir chasser parce qu'on n'a pas assez de trucs. Oh, je me dis, le tuer au lieu de l'apprivoiser le l'iguanodon, c'est pas une mauvaise chose non plus. Je veux dire, il est un peu coincé, hein. Ouais. Et vu qu'il se bolasse, ça devrait aller. Désolé, mais bon. Je sais pas si ça va donner assez pour le niveau. Il commence déjà à saigner. Et bah, ça n'a pas suffi. D'accord. Par contre, mon dieu, la peau que ça donne! Ah oui, ça déconne pas. La peau, c'est pas ce qui va me manquer pour faire un atelier, hein, ça c'est sûr. Ni pour le reste d'ailleurs. C'est vrai, bon, ça sert à rien de. Oh, quoi que. Bon, je veux dire, ça fera un peu d'XP, hein. Ouais, un peu. Toujours vider la tête, hein, parce que ça fait plus de dégâts. Pour ça que je vise toujours la tête quand je fais un truc. Oui bon, c'est vrai que dit comme ça, c'est un peu bizarre. C'est le cas, donc ouais. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, ouais, d'accord. Bonjour.
Quoi? Je ne vois rien. Non, 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 non. Punaise! Oh, il a failli mourir là! Oh mon dieu! Il a vraiment failli mourir! Peur comme ça. Voilà. Je me demande bien où il est passé l'autre. Et lui là? Il y en a un. Un salaire. Voilà. Parfait. Voilà, alors maintenant on a assez. Ah, voilà. Parfait. L'atelier, il va nous falloir. Oh mon dieu. Ah oui, déjà il nous faut du métal. Poids 30. Ok. Bon, ça c'est facile. Voilà, c'est fait. Ensuite, pierre 50. Bon, ça va, il en faut moins de la pierre déjà. C'est vrai quoi, 52 pierres c'est quand même mieux que 125. On est d'accord. Voilà. On a assez. Maintenant il nous faut le métal. Pour ça va falloir qu'on casse encore les petites pierres. Avec la pioche. Ou c'est le caillou là aussi, ça en donne également, mais bon. Métal qui m'a tenu celui-ci. Mon dieu. En général, ça en donne, mais pas des masses, quoi. Là, je suis quand même assez surpris de la proportion que ça m'a donné. Hein. Je crois que la quantité plutôt. Non. Parfait. Ah, 14. Ouais, ça fait beaucoup. Bien. Alors, techniquement, j'ai tout, sauf les lingots, bien sûr. Vu qu'il en faut 5 et que j'en ai que 3. Ouais. C'est vrai que c'est pas énorme. Ah, voilà, il a enfin produit un œuf. Voilà, œuf de dodo. Parfait. On fait notre premier œuf. Alors les œufs servent aussi pour de la nourriture également, pour être mangé. Mais bon, on va plutôt les garder. Voilà. Et voilà. L'atelier.
Bingo. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, nous avons la pioche en métal qu'on peut crafter dedans. Il va falloir mettre la peau, du bois, et voilà. Je vais refaire de la poudre étincelle d'ailleurs. Autant faire plus, ce sera pas mal. Voilà, et avec un lingot, plus ce bois et la peau, on peut faire une pioche en métal. Oui, ça coûte un lingot. C'est pas très cher en soi. Et heureusement. Voilà. Donc on va enlever la pioche. Comme ça, on l'achète, ça sert plus à rien. Ouais, je vais quand même remettre à cuire un peu de viande, hein, parce que... Ouais, j'en ai plus des masses. Où est mon feu de camp? Ah, il est là. Mon dieu, que j'en avais déjà plein là-dedans. Avoir plus de poudre étincelle que pas assez, c'est important. Ouais, bon, là ça sert plus à rien que avec un lingot en métal, on peut pas faire de lingot. Voilà. Parfait. Bien maintenant. Pour ça, je me suis enfermé. Bien, maintenant que ça c'est fait, on a réussi à faire ceci, je veux dire. On va pouvoir partir chercher du métal et du cristal à la montagne d'à côté. Car oui, juste à côté, il y a une montagne. De sexe. Oh, c'est pas grave. Ah non, mais c'est bon, pour ça que je voulais. C'était pour l'arc. Je suis bête. Allez, compi. Malheureusement, je n'ai pas de. Bonjour le mégalodon. Malheureusement, je n'ai pas de viande supérieure pour vous, les gars. Je peux pas vous attaim. Bien, c'est qu'on est bientôt au niveau 25 et au niveau 25 on pourra déverrouiller l'arbalète. L'arbalète, j'ai eu du mal à dire. Hein. Plus la lance en métal, etc. etc. Attends, elle était de là, elle est là. Sérieusement, mais qu'est-ce qu'elle fout là? Ah oui, non, mais vraiment, elle a bougé quoi. T'as fou là. Pourquoi je sais pas. Attends. Oh non, c'est juste un. Non, c'est juste un enfant, c'est bon. Rien de bien inquiétant. J'avais compris pour les dauphins, c'était détecté comme ennemi. Parce que c'est pas un ennemi, vu que c'est un dauphin. C'est ça qui n'est pas très compréhensible des fois. Ouais. Bon, certes. Bon, du coup, maintenant, il va falloir qu'on aille à l'intérieur de cette forêt pour aller le plus haut possible pour trouver là où se trouve justement le métal. En espérant pas se coincer, ce qui peut largement nous arriver. Et pour ça, il faut faire attention. Voilà, surtout à croiser ça encore une fois.
déteste vraiment les Dilophosaures dans ce genre d'endroit, c'est le pire truc. Quand tu prends les pires combos quoi genre. Oh non! Raptor. Piou, c'est bon. J'ai échappé ce bel cette fois. Vache. Ah je déteste les raptors, mais un point mais. C'est pas le moment de se coincer. Ah vraiment. Merci. Vraiment ce que j'aime pas avec cet endroit là, certes, c'est que bon, t'as du métal, t'as du cristal, cool. Mais t'as des raptors. Eh oui. Donc c'est pour ça que prendre par hasard c'est bien. Car pour le poids, de 1 pour le poids du coup, et de 2 pour effrayer les raptors. Parce que sinon, bah t'es mort. Et que le problème, c'est qu'il faut que j'attende pour le compteur, évidemment. Parce que sinon, je ne vais pas pouvoir les effrayer. Je suis arrivé. On dirait bien. Un pachyrhinosaure là. D'autres parasaures au fond là-bas. Tortue. Diplo. Pour ça, un diplo c'est bien éliminé d'ailleurs. Deux fois encore. Parce que les diplos, ce qui est bien avec eux, c'est qu'ils donnent beaucoup de peau et beaucoup de viande. Et de viande supérieure. Justement, si on tame nos petits compis. Ah voilà, Raptor, j'en étais sûr. Oh. Mon dieu, je déteste ça. C'est bien une créature que j'aime pas là, en sauvage, c'est bien les Raptors. Je vais attendre un peu pour le compteur. On est bon là, ouais. 5 secondes, c'est bon. Carnot, c'est encore pire. Et ma vie, évidemment. Punaise! En même temps, tu mets 4000 ans à monter. Attends, est-ce qu'il va réussir lui? Ah! Galère! je vais me dépêcher quand même. Hein. Il y en a un autre, sérieusement? Non, non, non. Oh l'imbécile! Il est derrière moi! Non, non, non! Non mais. Oui, attaque lui là! Et pas moi! Oui, voilà! Ouf! J'ai échappé! J'ai réussi! Oh la vache! Ouais, je suis bien en sang là! Ah, au moins c'est réglé! Ah, oh, sérieusement, ils sont là maintenant eux? Y'avait personne à 2 secondes. Ah bon bah il s'est pas fait buter. Hein. Aïe. Faut vraiment qu'il y ait les pires dinos ici. Ah, vraiment. Ah, moi il est sur une tortue maintenant. Pas là, je suis pas là, je suis pas là, je suis pas là. C'est bon, pas vu. Pfiou. Pour moi, on a récupéré la note qui était là. C'est déjà ça. Maintenant, il nous faut du cristal. Et du métal. C'est ce qu'on a ici de toute façon. Et tant mieux. Ils sont juste là, hein. Je vais aller le plus loin possible pour les éviter. Faites qu'ils qu'ils me voient pas, hein. Vraiment. J'ai pas envie d'être vu par eux. Ça suffit amplement en cristal, maintenant le métal.
On a réussi. On a du métal, on a du cristal. On peut s'en aller. Allez, partons ici. Voilà, comme vous le voyez, les montagnes sont vraiment des endroits très très dangereux. Faut surtout pas rester. Après, j'ai envie de dire, est-ce que j'essaie de tuer le diplo? C'est un Raptor Tech qui est mort là? Il y avait un Raptor Tech, d'accord. Heureusement que je ne l'ai pas croisé. Croisé, pardon. Je sais même plus parler, moi. Ah, je vois rien avec cette lumière. Alors, mis le gamma au maximum, c'était pas la meilleure des choses. Ouais, c'est sûr, on voit plus rien après. J'ai quand même envie de tuer le diplo. Bingo. Il devrait venir. Ce sera plus simple de le buter vers ici. Enfin, je l'espère. Bingo, le v'là. What the hell? What? Mais qu'est-ce qu'il fait? What? Qu'est-ce que... Sérieusement? Passer par là. Faut que je passe à gauche, vu qu'à droite il y a les Raptors et Carnot. Surtout le Carnot. Qu'est-ce que... Je comprends pas vraiment ce qu'il fait en fait. Il est coincé? Ah oui, il est coincé en fait. Même par hasard à monter de niveau MDR. Ah oui, niveau 12, ça va. Normal que je peux pas faire de flèches là? Ah ouais, faut silex et branchage. Oh mon dieu. Oh. C'est chiant les ressources qu'il faut tout le temps. Genre vraiment tout le temps quoi. Voilà, si lui je veux la battre là, bah il me faut du silex quoi. C'est bien au moins avec la pioche métal, c'est qu'on récupère plus facilement les ressources quoi. Même chose pour la hache métal. Bien pour ça qu'il nous les faut. Également. Ah tiens, les niveaux d'ailleurs, hop. Hop. Hop et hop. Hop. Ouais, ça verra ça plus tard. Je veux ma viande supérieure, ça me permettra de me décompie. Par contre, ouais, quand le diplo essaie de vous pousser, essayez d'avancer en même temps vers lui parce que sinon vous allez aller très très loin derrière et sûrement mourir. C'est pour ça qu'il faut toujours avancer. Ah oui, quand le diplo par contre est en sang, il vous attaquera plus, il va juste s'enfuir.
pour ça que c'est une proie facile, car surtout c'est une créature qui fait aucun dégât. Allez, dernière flèche. Non, dernière flèche. Dernière flèche. Voilà. Oula. Mon dieu. Alors, du coup, donne-moi ça. Merci. Je veux ta viande. Donne-moi ta viande. Mon dieu, toute la viande. Cru que j'ai eu. Définitivement pas en manque de viande hein. Ouais, on est sûr hein. Là, on va pouvoir entrer avec beaucoup de choses intéressantes. Ouais, surtout la viande supérieure hein. Maintenant, je sais où il y avait des compis. On va pouvoir les tame du coup également. Que j'entends. J'ai cru entendre un compi. Ouais, bizarre. Par contre, ouais, je suis lent à mort, la vache. Tellement lent. Même trop lent. En même temps, c'est normal, je veux dire, vu le bordel de poids que j'ai avec le cristal et le métal. Ouais, c'est un peu normal. Ouais. C'est bien pour ça que je suis là. Oulala, oulala. On va éviter de passer par là. Ouais, c'est bien ça que je craignais, hein, de croiser un Terry dans la forêt. Eh bah, ben, y en a un. Ouf, heureusement que je l'ai vu avant. Ouais, heureusement. Sinon, on serait mort. Et pour ça, il faut toujours faire attention à cette créature-là. Même si c'est une herbivore, la bestiole, le terrien. Hein. Ça va être herbivore, c'est agressif sur les joueurs. Donc, ouais. Pas comme le diplo, hein. Bon, ça ne fait pas de dégâts, mais bon. Ouais, c'est quand même beaucoup plus dangereux hein, de se croiser, de croiser un terri. C'est la mort assurée. Et pour ça, faire attention. Pourquoi il nous attaque, lui? Ok, j'avais pas compris, mais d'accord. C'est un bug. Bon, bien. Allons-y. Ça va pouvoir enfin rentrer à notre maison. Toujours la petite licorne. Hein. On l'apprivoisera, la licorne. C'est sûr, on l'apprivoisera. Mais pas dans cet épisode-là, malheureusement. Parce que tant qu'on n'a pas les carrés de culture moyen. Ouais. Pas le faire quoi. Donc ouais. Mon dieu. Parce que j'ai tout le temps toussé en ce moment. Bien, voilà, on est rentré. Ouf. Bien. Ouais, ça fait trop de métal. Diviser ça pour aller mettre.
Moi, ça commence déjà à cuire. Bien. Maintenant, nous allons enfin pouvoir checker nos nouveaux niveaux. Niveau 28, on est. Ouh, bah c'est bien. Je vais pouvoir prendre ça. Ah, ça, ça sera pour plus tard par contre. Voilà, donc là, on s'en met à l'arbalète, le bocal d'eau, parfait. Les carrés de culture moyen, et bah voilà. Je vous l'avais dit qu'on allait y arriver. Je pensais pas que ça aurait été aussi vite, hein. Ouais, plutôt surpris, hein. Les ciseaux, bien évidemment. Ça aussi, bien évidemment. Et c'est tout. Voilà. Donc, comme vous le voyez, on a enfin l'arbalète, la hache et la lance. Ce qui fait qu'on va enfin pouvoir passer à quelque chose de bien mieux qu'avant. Qu'un simple arc et tout le reste. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai oublié, mais j'avais mis de. Fais peur, lui. J'avais mis de la viande à cuire. Qui est cuit encore d'ailleurs, la viande. Ah! Ah oui! Ça fait beaucoup de viande là! Mon dieu! Et pas un peu trop là? Je vais mettre là-dedans le reste, hein. J'avais oublié de la reprendre. Bon, pas grave. Ça m'apprendra. Et voilà. Nous avons déverrouillé l'arbalète. Bon, du coup, l'arc qui sert plus à rien. Comme avant, ça dégage. Voilà, au moins avec ça, on fera plus de dégâts et on pourra viser beaucoup plus loin, comme vous le voyez. Et je vais vous montrer. Hop, on peut viser beaucoup plus facilement. Et ça fera plus de dégâts et plus sympa à endormir. Et ça, c'est cool. Regarde, petite démonstration sur la mouette. Si j'arrive. Ou pas. Ouais, bon, ça veut dire non. Oui. Voilà. Ça a bien marché. Un coup, ça suffit. C'est pour ça que c'est efficace, hein. Ouais, un peu trop d'ailleurs. Tiens, d'ailleurs, tant qu'on y est, on va pouvoir aussi crafter du coup la longue vue. Également. Pour cela, il va nous falloir. J'ai plus rien, c'est super. C'est incroyable comment j'ai plus rien en ressources déjà. Il faut des fibres. Mon dieu, toutes les fibres elles sont déjà plus là. Attends, mais il y a quoi lui? Ah oui, d'accord. Pourquoi est-ce qu'il me pèse autant lourd? Ah oui, c'est le. Il est un peu trop bel lui, hein. Ah mais il y en avait des fibres. Voilà, c'est bon en fait. Va nous en manquer, je crois que c'est du bois qu'il nous faut là. Là j'ai bugué là, j'ai pas compris. Et voilà. Parfait. La longue vue. Bon, par contre pour le bocal d'eau, malheureusement, il nous faut du ciment. Pourquoi je dis malheureusement, ou alors qu'on peut en faire du ciment. Car il nous faudra juste de la pierre et de la chitine.
Heureusement que j'ai encore ce qu'il faut pour la réparer, la hache. Ouais, et je vais pas tout prendre non plus parce que je vais être encore trop lourd sinon. Et évidemment, il n'y avait plus assez. Très visible, hein. Du coup, je vais prendre tout. Peut-être pas tout non plus quand même, hein. Ouais, juste 200 chitines devrait largement suffire. On sait largement assez. C'est bizarre, j'ai quand même l'impression que les crafts sont plus rapides qu'avant. Bizarre. Alors, du coup, ah, c'est bon, assez pour faire le bocal d'eau. Parfait. Le reste du coup ça va finir ici. Le bocal d'eau à la place de la gourde. La gourde qui ne sert du coup plus à rien. Et longue vue, ici comme d'habitude. Voilà. Parfait. Donc pour le bocal d'eau, l'utilité comparé à la gourde, c'est qu'on peut boire deux fois dedans. Comme du coup il y a 200 au lieu de 100. Et comme surtout, elle ne se vide pas. Et pour l'utilité de la longue vue, c'est que si vous restez appuyé sur L2 après, vous pouvez voir de loin le niveau des créatures. Ce qui est donc beaucoup plus simple pour voir des timings intéressants à faire, ou pas. Comme là par exemple, là c'est pas ouf quoi. Voilà. Et même on peut aussi voir également... Je sais pas si c'est le prof, mais bon, tant pis. On pouvait voir aussi le temps de durabilité des drops également, mais bon, bref. Là aussi, on peut voir les trucs là comme ça, voilà, etc, etc. Voilà, voilà. Bon. Aussi. On n'a pas encore crafté ça, mais il va falloir qu'on le fasse aussi. Notre hache en métal. Voilà. Parfait. Je veux toujours garder le skin du truc avec, hein. J'adore ce skin. Bien. Mais... Pourquoi il l'a enlevé ? Bizarre. J'ai vraiment misclic quoi. Ça m'arrive souvent. Niveau 29. Je crois qu'il y a toujours un intéressant. Ah oui d'ailleurs on va aussi apprendre le radeau en bois, ça peut être bien pour plus tard. Ça m'a coûté tous mes points. Yes. De toute façon plus intéressant ce sera après. Bien allez d'ailleurs maintenant qu'on a fait ça. Je vais refaire des flèches. Car avant d'arrêter cet épisode et tout, comme je l'ai dit, je vais tame des compis. Je l'ai dit et je vais le faire. De plus qu'il y en a juste là-haut alors. Bingo. Parfait. Ouais, est-ce que je suis débile parce que j'avais déjà des flèches tranquillisantes mais bon. Oui. Pas grave. Ah oui, d'ailleurs, quand il pleut, vous pouvez aussi boire directement et remplir votre gourde ou bocal d'eau ou autre, etc. etc. Bien, allons-y. On va pouvoir essayer enfin de tame et les compis avant que la viande super pourrie. Ça serait pas mal.
Après, pour les compis, on s'en fout si c'est un bas level, hein. Je vous le dis très clairement. Ça a pas trop d'importance en soi. Y'a un raptor? Oh boy, y'a un raptor. Qu'est-ce que... Ah, mais... Lâche jamais, hein, c'est incroyable! J'ai même pas eu le temps de voir le level du raptor que je me fais déjà vomir dessus par un... Mais vraiment, je déteste ces bestioles. Hein. Donc c'est pas pour eux que j'étais venu, alors ouais. C'est sûr que je me fais bien accueillir. Hein. Surtout à déféquer devant eux. Le non-respect. Alors par contre... Il est où? Ils sont où là, les compis? Ok, alors... Je sais pas vous, mais j'ai l'impression qu'ils sont disparus. Oh, quand même! Ils ont pas fait ça! Il y en avait quand j'étais vu là. Et quand je repars, il y en a plus là, c'est ça? Je vais déjà équiper les flèches là. Il y a un par hasard, mais on s'en fout. Pas ça que je cherche. Au 40. Bon, il est mieux que le mien, mais bon. Je trouve que le mien est 27 quand même. C'est sûr, c'est mieux. Il est combien le raptor? Bah, j'ai pas eu le temps de checker que je me faisais attaquer. 64. Plus, ça vient d'aller presque pourri, sérieusement. Bon, moi j'ai l'impression que. Qu'il n'y en a plus. Bah, yes! Et je me suis quand même embêté à tuer le diplo là. Pour revenir ici. Et pourquoi? Pour avec rien du tout en termes de compi. Sérieusement? C'est quoi cette arnaque? Je ne comprends plus pas la logique. Il y a un point, mais au secours. Ah bah c'est ce qui s'appelle se faire troller, hein, par le jeu. Littéralement. Troller. Oh, je vais tenter un truc, mais ça va être mort. Hein. Ne pourrit pas. Elle est à ça de pourrir. Quelle horreur. Si elle pourrit là, c'est mort, hein. Allez, plus vite. Non, parce que j'arrive pas à comprendre comment c'est possible que là les compis qui étaient là ils sont même plus là. C'est totalement stupide. Comme s'ils avaient même disparu quoi. Ah c'est mort hein. Regarde. Si je prends sup là. Oh voilà. Hop hop, y'a plus rien. Voilà, il est en train de pourrir. Punaise. Oh mais allez quoi! Oh punaise! Une j'ai réussi à sauver! Ouais c'est mort. Punaise! Oh! Oh c'est tellement mignon quoi! Bah yes hein! Ah ouais ça c'est ce qui s'appelle se faire humilier à mort. Hein. Mais vraiment. La viande supérieure qui pourrit comme ça. Ah, je suis dégoûté. Ah, je vous le dis, je suis dégoûté. Bon, bah tant pis, hein.
Hélas, voilà. Ah, j'ai pas pu la sauver, malheureusement. C'est un échec. Pour de vrai cette fois. Ah, tant pis, hein. Bon. Au moins, je vous ai montré pour cet épisode-là, pour le métal et autres, comment ça se passait. J'espère que ce troisième épisode du tuto sur Island vous aura plu. À plus tard pour d'autres vidéos. Bye bye!